C'est dans le village touristique de Posotomé que le Centre des arts et métiers de l'association Leader Solidaire de Meridionou, présidé par le colonel Tevo Idjere Dieudonné, a jugé utile de jauger le niveau de ses plus de 130 enfants pour marquer la fin du premier semestre artistique 2022-2023 de l'atelier Pépita. Deux différentes classes sur trois sont évaluées. Le plus âgé des pépiniers a 17 ans et le plus petit a 5 ans. Certains sont inscrits depuis 3 ans et d'autres 1 an environ. Percus hors les murs, c'est le nom de cette activité initiée par l'atelier de percussion, une restitution des acquis des niveaux 1 et 2 que l'hôtel chez Théo Les Bains a l'honneur d'accueillir dans la nuit du samedi 15 avril 2023. Accoutrements et démonstrations artistiques selon chaque niveau, rien n'est négligé par le directeur artistique Michel Ndogwissi et son équipe d'encadrement composée, entre autres, du maître percussion Isaac Gaïda, du maître chorégraphe Albert Runga et de leurs assistants. Le préfet du Mono et le directeur départemental de la culture ne se sont pas fait compter cette démonstration de l'art patrimonial propre à la cité des tambours. Bref, Pépita est plus qu'une troupe. Pépita, c'est un atelier de percussion avant d'être une troupe, c'est-à-dire un conservatoire. C'est une école. Et cette école comporte 5 et 3 classes. C'est la version avancée, la version la plus parfaite de cet atelier que vous connaissez, que vous voyez à travers les réseaux sociaux et à travers les chaînes. Et aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons décidé, sorti l'atelier vers d'autres contrées, vers d'autres régions, pour montrer à d'autres enfants, pour montrer à d'autres parents et ce projet qu'on peut bien dupliquer partout et qui fera vraiment grandir le Bénin. Et aujourd'hui, nous sommes à la restitution des classes, des classes niveau 1 et niveau 2 de Pépita. Et c'est des enfants qui sont avec nous depuis plus de 3 ans et 1 an pour certains. Et nous les amenons ici parce que nous voulons les essayer en conditions de scène, hors de nos murs, comme le dit le nom de cette sortie. Et la résultante va être la montée de certains de ces enfants vers la troupe Pépita. La joie du promoteur de l'hôtel est au paroxysme. La présence des autorités à cette soirée inédite le laisse sans mots. La présence du préfet ce soir et du directeur départemental du tourisme et de la culture nous élève à un haut niveau et je suis content qu'il soit avec nous ce soir. Cette pépinière qui atterrit chez moi aujourd'hui, c'est un honneur pour moi aussi. Je vous souhaite bonne soirée. Let's go.
préfet du Modo, est tout simplement fier non seulement d'être Dahoméen dans sa diversité culturelle, mais surtout du relais de qualité que le centre de Medidjono assure. Je ne suis pas surpris de ce que je viens de voir, parce que je suis un grand admirateur de Pepita. Et ça, je le disais, ça fait au moins 10 ans que je les suis. C'est vrai que c'est au moment où je planifiais une descente dans leur QG que l'État a voulu me confier de nouvelles responsabilités qui m'ont éloigné davantage du département de Lomé. Sinon, je serais déjà venu les voir. Et en tant que Béninois, d'abord, c'est un sentiment de fierté. Fierté d'appartenir à cette nation riche dans ses couleurs, de par sa diversité, de par ses cultures. Mais tout ceci rassemblé en un seul spectacle que nous voulons de voir. Nous avons suivi les enfants chanter et reprendre plusieurs chansons de différentes régions du pays. On n'a pas pu faire attention, mais pour quelqu'un quand même qui s'intéresse à la culture, vous aurez compris qu'ils ont dansé du teke, du zinli, du mansegorun, un peu de tout ça. C'est le Bénin tout en un. Les autorités ne pouvaient pas ne pas dire leur reconnaissance au regard de la portée de l'initiative qui valorise le Bénin et lui donne tout son sens culturel. Comme dit un adage africain, qui perd sa culture a tout perdu. Et ce soir, nous avons vu notre culture de par les différentes prestations de ces enfants. Et que la culture soit perpétuée en République du Bénin. Donc je suis très enthousiasmé par ce que j'ai vu ce soir. Et vraiment, je dis félicitations. Ces apprenants sont pour la plupart des écoliers. Suivre leur cursus est l'un des grands défis que relève le centre. Le suivi scolaire importe beaucoup dans l'appartenance à notre atelier. Le suivi scolaire, il faut que l'enfant soit bien suivi à l'école, à la maison aussi. Et il y a cette rigueur que nous les imprimons, cette façon de voir l'enfant de demain, le Béninois de demain, qui part de sa culture. Pour aller de l'avant. Cette idée de mettre les enfants en condition de spectacle hors de leur mur de répétition est une pédagogie de renforcement de capacités. Cela permettra sans doute à certains de rejoindre la cour des grands qu'est la troupe Pepita, niveau 3. En attendant la fin de la classe culturelle qui sera sanctionnée par le festival Héritage courant le mois de septembre, les pépinières sont bien rentrées le dimanche 16 avril. Bravo à toute l'équipe de l'atelier.